Bonjour à tous, pour toi qui tombes sur cette vidéo, ce qu'on te dit si tu es en attente de la concrétisation d'un contrat professionnel, que tu sois en attente de documents officiels qui soient signés, on te dit de garder confiance. C'est ton message du jour, garde confiance, car tu vois, alors je passais mes cartes, elles sont tombées, on m'a dit, pars là-dessus, c'est le thème de cette vidéo. Ce contrat arrive, il va procurer un profond changement, en tout cas une profonde transformation dans ta vie personnelle. Et tout ce qui aujourd'hui paraissait bloqué, qui ne va pas dans ton sens, va justement bouleverser tout au quotidien. Alors, ça va, ce que je ressens en fait, c'est que ça va se faire sur une continuité. On te parle jusqu'à la saison automnale. Donc, les premiers prémices vont se sentir dans cette semaine qui est là, présente. Donc, d'ici cette semaine, le contrat va être signé ou en tout cas, tu auras des nouvelles par rapport à ce contrat. Et les changements qui vont du coup s'opérer derrière vont donner de nouveaux effets, en tout cas, jusqu'à cet automne. Que ce soit à titre personnel, on te dit clairement que tu vas pouvoir trouver ce point d'équilibre personnel que tu attends. Le fait aujourd'hui de te ressentir dans cette situation bloquée, provoque chez toi de profondes peurs et une profonde frustration et tu vois, on te parle de sentiments de stress. Tu pratiques la loi de l'attraction, tu essayes d'avancer, tu y crois, hein. On sent que tu mets toute ta volonté, mais voilà, ces petites peurs du quotidien viennent bloquer un petit peu l'abondance que tu mérites. Ça vient un petit peu en écho avec la vidéo que j'ai faite sur l'abondance financière, mais voyez l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et on te dit, tu vois encore aujourd'hui, qu'il y a ce sentiment de frustration et de stress qui crée chez toi ce ralentissement dans tes intentions. Et ce qu'on sent, tu vois, on te dit en plus de ça, à titre personnel, dans la relation que tu as aujourd'hui, alors pour le coup, on parle, en fait, on va partir sur plusieurs points, on est sur une guidance plutôt générale, ce contrat arrive, peut-être ce déménagement, ce divorce, etc. Et que même si aujourd'hui, dans ta relation amoureuse, il y a des frustrations, des compromis qui doivent être faits, mais que vous ne parvenez pas à vous entendre, la personne de ton cœur ne souhaite pas forcément parler parce que c'est pas quelqu'un qui est du genre à communiquer. On te dit que dans cette relation, tu as tous les espoirs sont permis. Elle est stable, elle est empreinte de profonds sentiments qui sont là et sincères. Et tu vas voir que des compromis, des points vont être trouvés pour vous permettre de trouver ce juste équilibre dans la relation que tu vis. Garde confiance. Dès cette semaine, il y a un profond changement qui arrive dans ta situation personnelle. Et en fait, on voit, comme je te disais, ce point d'équilibre qui arrive avec justement aussi une évolution sentimentale. Professionnellement, tu vois, on te dit que après plusieurs, notamment, opportunités, le cadeau arrive. Alors, ça peut être aussi des petits contrats intérimaires, mais finalement, on va te proposer quelque chose que tu attends depuis si longtemps. Tout est en train de bouger autour de toi, donc garde confiance.